Turbo S Cabriolet est bien une 911. Face à des besoins de plus en plus spécifiques de la part de la clientèle, qu'il s'agisse de puissance, de performance ou de dynamisme à la conduite, la Turbo S Cabriolet répond à toutes les attentes et y ajoute la joie de la conduite à ciel ouvert. 700 Nm de couple sont disponibles entre 2100 et 4500 tours minute, soit 50 Nm de plus que sur la Turbo. Les chiffres d'accélération au départ arrêté sont les meilleurs de toute l'histoire de Porsche et la vitesse de pointe approche 320 km/h. Sous les feux de jour, les prises d'air sont barrées d'LED de couleur en titane. Pour plus d'efficacité, des prises d'air à l'avant renforcent l'appui des roues avant, tandis que l'aileron arrière qui se déploie à partir de 120 km/h a le même effet sur les roues arrière. We'll be right back.
les IEM. C'est validé. On a le droit d'utiliser les IEM. À toutes les unités, notre système de communication est perturbé. Nous allons essayer d'y remédier. Négatif qu'on arrête, la voiture roule toujours. IEM ajouté l'acquisition et verrouillage de la clé. Écartez-vous, je vais te percuter. À toutes les unités, on passe au niveau supérieur. Employez les grands moyens. Votre connexion satellite est absorbée par un moteur. Ne perdez pas le système. Sur mon position. Je demande les urgences en code 3.
réussi à ralentir le soleil. Je prends des balles. On poursuit une Porsche. Le suspect
Employez les bons moyens. Au lieu de 6500. Si le pilote a le talent nécessaire pour maîtriser toute cette cavalerie, il pourra alors courir les 400 mètres en 12 secondes, avec une vitesse de passage d'environ 190 km/h. Bien installé sur le capot, une énorme prise d'air fait entrer un maximum d'air dans le compresseur. Le gros bouclier en fibre de carbone, lui, semble avoir été rajouté pour essayer d'empêcher les roues avant de décoller en cas d'accélération brusque en plein virage.
Dans la vie, on a une chance sur 700 millions de posséder une Reventon Roadster. Non contente d'exiger une rallonge de plus de 250 000 dollars par rapport à la Reventon de base, cette voiture a décidé d'être rare en limitant sa production à 20 exemplaires. Fort de ses 40 ans d'expérience en matière de décapotable, Lamborghini aime toujours autant marier son expertise technologique à l'émotion liée à ce type de carrosserie. Contrairement à la Reventon, dont le moteur est une évolution du moteur de la LP640, le Reventon Roadster reprend, à quelques détails près, celui de cette furie de LP674 Super Veloce. Cette Reventon se distingue aussi de sa consœur à toit fermé par sa teinte exclusive gris mat, nettement moins austère grâce à l'ajout de particules métalliques. Les jantes sont à 5 branches en forme de Y qui renferment tout un conduit qui participe